Eh bien salut à tous les amis, c'est Tonton Bertie, on se retrouve pour une petite vidéo encore sur Snow, la troisième sur ma chaîne, car je trouve que ce jeu vaut vraiment la peine d'être découvert, d'autant plus qu'il est passé vraiment gratuit, il n'y a même plus besoin de choper une clé comme je vous disais dans ma première vidéo, donc pourquoi s'en priver? Donc déjà on va faire un petit tour dans le menu. Dans le menu qu'est-ce que vous avez? Vous avez mis, donc évidemment qu'est-ce que c'est? C'est vous, votre inventaire, vous voyez, là hop, j'ai le casque Red Bull mais je peux mettre mon bonnet, hop, on peut faire tourner le personnage. Classique mais bien foutu quand même. Voilà. Donc sachant que le casque Red Bull c'est quelque chose que j'ai gagné ainsi que les lunettes là. J'ai gagné en participant à la bêta fermée. Comme j'avais eu une clé. Voilà, il y a pas mal de petits trucs. Hein, petit foulard. Donc ça c'est ce que moi j'ai sur moi. Après on peut voir ses statistiques. Total de distance parcourue, etc. Il y a pas mal de trucs. Et en plus ils nous disent bien qu'ils vont en ajouter par la suite. Hop, les achievements, les challenges. Je vous passe les détails. Après, vous avez le bundle, donc c'est les promotions du moment. Donc là, pour 990 crédits, sachant que là, vous voyez, j'en ai 94 que j'ai gagné en jeu. On peut avoir la tenue zébrée. Ça pour 1150 crédits, 5490 crédits. Après, on peut aller dans le store plus en détail. Hop, caractère item. Boum, en niveau casque, qu'est-ce qu'il y a? Hop, et là, il y a tout ça. 89 crédits, vous voyez, je pourrais m'acheter ça si je voulais. Mais on va éviter. Mon casque Red Bull est très très bien. Et les fêtes sont finies. Donc vous voyez les petits bonnets, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choix dans les pantalons. Donc évidemment, c'est comme ça qu'ils se font leur business. Et on peut les essayer. Hop, on tourne, nana. Bon, classique, mais normal pour un free-to-play. Faut bien qu'ils mangent, les gars. Donc après pour chasse crédit évidemment vous pouvez acheter de l'argent. Donc vous avez vu un petit peu les prix. Donc pour 1000 on avait un pantalon à peu près. Et bah là 1000 crédits ça vaut 10 dollars. Ouais, il y a 10 euros pour 1000 crédits s'acheter un pantalon. Ça fait un peu cher mais bon. Après je sais pas si les skis seront améliorés par rapport aux de base, à ceux de base. Voilà, après il y a des réglages. Alors à savoir qu'il y a pas mal de réglages. Les réglages graphiques, c'est pas mal du tout. Regardez, vous allez dans Advanced, et là, il y a vraiment beaucoup de réglages. View Distance. Moi, je suis en max pour tout. Sauf l'anti-aliasing qui ne marche pas. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tessellations. Vous voyez, on ne voit pas souvent, c'est dans les nouveaux jeux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. De choix. Et d'options, c'est très très bien ça pour un free-to-play. On a rarement autant d'options. Voilà. Donc, venons-en au fait. Après, nous allons passer à l'onglet play. Donc Free Roam, c'est du Free Ride. Sachant qu'en Free Ride, vous pouvez faire des figures un peu là où vous choisissez de vous faire respawn. Sachant que la montagne est immense, très très grande. Il y a 4 faces, est, ouest, nord, etc. Et on peut se faire respawn un petit peu partout où on veut, vous verrez. Et multiplayer, j'y vais pas tout de suite, mais je vous montrerai par la suite. Mais ça a tendance à bugger un peu. Mais j'ai vu depuis tout à l'heure qu'on pouvait créer ces serveurs et... Je vous montrerai comment en créer un. Donc, là, je vais vous montrer ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire les events. Donc, il y a différents types d'events. Vous avez les time trial, descente. Je vous laisse lire. Donc, le time trial, c'est tout simplement rejoindre d'un point A à un point B le plus vite possible, en passant par les checkpoints. La descente, c'est la même chose. Donc, là, il n'y a pas besoin de faire de figure et tout, c'est du touchous. La descente, c'est la même chose, sauf que vous n'aurez pas de checkpoint, vous pouvez. Par où vous semble bon dans la montagne, il y a plein de raccourcis et tout, je vous dis c'est vraiment un terrain de jeu immense. Le slopestyle, ça va être plusieurs petits tremplins à prendre et faire un minimum de points pour avoir la médaille d'or sans avoir spécialement de temps imparti. Le big air c'est la même chose mais avec des très très gros tremplins et il y en a que un ou deux je crois. Alors vous faites un saut et faut faire plus gros nombre de points. Le free ride, c'est atteindre la course le plus vite possible avec le plus gros score possible aussi. C'est en passant par des checkpoints là. Et en même temps, il faut faire des figures, des tricks. Freestyle, c'est la même chose, mais si vous voulez, ça s'apparente time trial, ça s'apparente au free ride avec des figures. Et le freestyle, ça s'apparente à la descente, mais avec des figures aussi. Et le rock jam, là, c'est plusieurs rounds où vous devez faire plusieurs figures et on accumule le score. Voilà. Donc on va jouer sur un petit time trial. Moi c'est ce que je préfère pour l'instant. Là je commence à mettre un peu figure, mais vous voyez, au début on a que celui-là, The Grape. Après on débloque The Legend of Dog Butt. Forest Funk.
Et là, j'en suis à Rock'n'Roll, où vous voyez, je n'ai que la médaille d'argent. Mais je galère un peu, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc nous allons nous faire The Grape, Play Event. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis une manette de PlayStation 2, alors que c'est tout à fait jouable avec une manette de Xbox, c'est ce avec quoi je joue. Ils ont mis ça en... en menu de loading. Donc c'est exactement la même touche pour la manette de Xbox, à part que vous remplacez trois ronds carrés triangle par... A, B, X, Y. Allez, c'est parti. Déjà, c'est mal parti. Là, vous voyez en haut à droite que je suis en négatif par rapport à mon meilleur temps. J'ai 0,3 dixième de seconde de retard, 0,7 de retard. Et là, j'ai carrément loupé le checkpoint. Mais c'est pas grave. Juste pour vous montrer. Donc, je continue. À préciser que Mikos et moi-même sommes premier et deuxième. Record du monde, s'il vous plaît, sur cette map. Et merde. Alors attendez, on va essayer de se concentrer et de faire un peu mieux. Déjà, au départ, il faut bourriner le X. Ah, voilà. Et normalement, c'est un peu mieux. Voilà. Je suis dans le positif. 0,129. C'est parfait. Moi, j'essaye de frôler, mais... Alors sachant que ça c'est la descente, le time trial le plus facile. Hop là. Je suis pas mal. C'est pas trop mal. Un peu d'avance. Hop là. Alors vous pouvez écouter la musique, franchement je trouve qu'en général elle est bien relaxante. Ce jeu est reposant de toute façon. Hop là, on va faire comme ça, comme ça. Ah merde, le rocher! Allez, on va essayer une fois. Après, je vous montrerai d'autres. Ah, brûlé. Go! Je sais pas si j'ai fait un bon départ. Je crois pas. Bon, très bonne surprise que ce jeu de snow. Ah merde, j'ai loupé. J'ai loupé le checkpoint. Que nous attendions depuis déjà un petit bout de temps. Et là, les devs sont bien en train de bosser dessus. Il y a des mises à jour régulières, journalières. Pratiquement, ou tous les deux jours. Mauvais départ, mais bon, que 0,6, ça va encore. Je vais essayer juste de la terminer pour vous montrer. Et après, on va passer aux autres sites de jeu. Parce qu'après, il y a encore aussi tout le côté figure. Oh merde, je me suis mangé l'arbre. Ah, allez, on essaye. Comme ça, vous pouvez voir que c'est pas facile. Même sur une descente facile, et pourtant j'ai l'habitude, j'ai déjà une quarantaine d'heures de jeu, 50 heures de jeu. Truc comme ça. Enfin bon, je joue déjà en bêta. J'avais déjà une bonne vingtaine d'heures d'avance. Mais c'est bon, il est enfin free to play, vous pouvez tous le prendre sur Steam, et le jeu sera vôtre pour l'éternité. Vous tapez Snow dans la recherche Steam, vous l'installez. Je suis pas trop mal parti. J'anticipe le virage à fond. Bien. J'ai une seconde de... Quoi? Mais quoi? What? Une seconde 712 de retard. Bon bah je termine de vous montrer. Mais des fois il y a des petits problèmes avec le chrono. Donc, je vous rappelle que le jeu est en bêta. Il faut être indulgent. Et des fois il y a des problèmes avec le chrono et... Du coup c'est pas toujours juste. Oh là là. Écoutez, je vais reprendre au dernier checkpoint. Pour vous montrer la fin de cette course. Donc on est censé passer là, boum boum. La touche housse. J'étais bientôt arrivé. C'est toujours ça, hein, l'effet vidéo. On fait toujours de la merde en vidéo. Là, il faut que je me faufile, hop. Et voilà. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Mais vous voyez le principe. Donc ça, c'était pour la facile. Facile, facile, vous me direz. On va passer au level supérieur sur une map médium. Alors, la musique, elle est casse-couille. Au bout d'un moment, c'est clair et net, mais sinon, ça va. Vous en avez marre, vous l'éteignez, vous mettez la vôtre. Rose Event.
Mais elle est pas mal. Donc ça c'est la deuxième map. Ah non, c'est la troisième. Attendez, on va faire la deuxième. Celle-là. Qui n'est pas facile non plus. Pour une map qui est pourtant... Ah non, c'est plutôt celle-là. Voilà. Celle-là va être un peu plus facile. J'ai la médaille d'or déjà. Hop là, play event. Pareil, on boit une. Bon, je vous promets pas de la finir celle-là. Vous verrez, le jeu est quand même relativement dur. Hein. Puis bon. Avec tous les petits bugs, j'ai pas encore compris tout à la manette. Au niveau des figures, justement. S'il y en a qui. Oh merde, Doom! S'il y en a qui arrivent à bien maîtriser les figures avec une manette de Xbox 360, hein. J'aimerais bien qu'on m'explique. Ça serait sympa. Vous voyez, comme les départs, là, je bourrine, mais pff, je suis sûr qu'il y a mieux à faire. Hein. Enfin bon. S'il y en a qui ont des conseils, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. C'est fait pour, les amis. Ça me ferait plaisir. Et je répondrai à tous vos commentaires. Alors, vous voyez, là, je suis pas super bien parti, franchement. Je me suis un peu rattrapé. Ah, je suis en avance de 3 secondes. T'imagines ça, toi? Bon, je vais reprendre du dernier checkpoint pour vous montrer. Normalement, on n'est pas censé se planter là, voilà. Vous oubliez ce que vous venez de voir, hein, s'il vous plaît. Ce n'était rien. Donc, un jeu qui est bien addictif, quand même. Hein. Franchement, depuis que je l'ai, j'y joue vraiment beaucoup. Je vous dis, bon, il est gratos, donc n'hésitez pas à l'essayer. Par contre, seul petit, je pense qu'il vous fera quand même une carte graphique. Ah, de la bombe! Une carte graphique quand même assez honnête. Au moins une carte graphique dans les 100€, on va dire. Voire peut-être un peu plus. Genre une GTX 500, quoi. Minimum, je pense. Après, j'essaierai de vous mettre le minimum de configuration dans la description de la vidéo. Si j'y pense, j'y penserai. Oui, hop là. J'avais carrément zappé qu'il fallait prendre par là, ça m'a surpris. Voilà, il faut éviter les poteaux de. Il faut tout éviter, hein, évidemment. Et là, c'est vicieux parce qu'on passe dans une ville, il y a carrément des. Essayez de passer entre les deux arbres, hop. Il y a carrément des poteaux électriques. Et là, il y a un panneau que je me mange toujours. Oh, normalement, vous voyez le 50 km/h là. Souvent, je me le bouffe, mais bon, là, j'étais à ralenti, donc c'est pas mieux. Donc là, je fais un temps minable, hein, dans tous les cas. Mais c'est juste pour vous montrer. Car le jeu en vaut la chandelle. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, c'est l'arrivée. Et l'arrivée, regardez comme elle est vicieuse, l'arrivée ici. Bon, je vous la fais à la wesh. Hop là, on peut passer par l'eau. Sinon on peut passer par là, mais je n'y arriverai pas. Voilà. Ah, regardez aussi, trop fort. Le public, comme il est moche. Mince, j'ai pas eu le temps. Il y a encore plein de trucs qui sont pas finis sur le jeu, donc c'est assez drôle. C'est sympa de participer à la bêta. Ah, mine de rien, si j'ai regardé, ça fait 9 mois que je l'ai. Et j'y jouais pas trop parce qu'il était vraiment super super bugué. Mais là, ils ont mis le paquet, les mecs. En ce moment, ils sont en train de mettre le paquet. C'est pas pour rien qu'ils l'ont passé en bêta ouverte. Donc voilà, on va aller se faire encore la map du level au-dessus. Alors, vous avez vu l'arrivée, là, c'était vicieux, c'était sur une petite digue. Une espèce de jetée. Et quand vous arrivez tout chousse, là, j'ai fait n'importe quoi, mais quand vous arrivez tout chousse, c'est assez hard. Hop là, Bros Event. On va se faire un petit entrée, on va continuer, on va se faire dans l'ordre. Donc on n'a pas fait celle-là encore, The Legend of the Dark Burg. Je crois qu'elle est un petit peu plus facile en fait. C'est une médium aussi. Et c'est celle-là qu'il faut débloquer pour avoir, vous voyez, la map Rock'n'Roll, qui est la plus dure que l'on va faire juste après. Alors celle-là, alors Miko c'est premier au monde aussi encore, il a réussi à avoir le record mondial sur Rock'n'Roll. Chapeau à toi Miko, mais franchement je sais pas comment t'as fait. Vous allez voir la map, les gars. Donc vous avez du challenge déjà, hein, si vous, pour ceux qui jouent déjà un peu au jeu. Vous pouvez essayer de me battre, moi et Miko, ce premier et deuxième mondial sur The Grape, en time trial. Et vous pouvez essayer de battre Miko sur Rock'n'Roll. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, celle-là, ça va. Oui, elle est pas trop dure celle-là, je m'étais dit que je pouvais faire quelque chose, mais j'ai jamais trop réessayé en fait. C'est juste ici où c'est chiant. Ouais, voilà, bien, Berti. Hop, et là je crois que c'est bientôt l'arrivée.
Ouais, c'est là-bas. Oui, celle-là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est bizarre que Mikos n'ait pas fait de score sur celle-là, tiens. Je suis combien tième? Ah ouais, faut quand même faire 52 pour avoir la médaille d'or. J'avais réussi à les faire vu que je l'ai. Donc les médailles d'or sont pas super dures à avoir, vous verrez. Vous voyez, premier, elle a fait 40 secondes quand même. Mikos, il est classé dans les combien là? Ah, Mikos. Je viens de le voir. Je viens de dévoiler Mikos. Ouais, il s'est mis 9ème quand même. 9ème. Sachant qu'on sait pas si c'est cheaté parce que le premier, il a fait 40 secondes pile poil. Et vous voyez, entre le premier et le sixième, il y a 6 secondes. C'est un peu louche. Hop. On va continuer. Et là, je vais vous mettre la map rock'n'roll, vous allez voir. Elle est vraiment rock'n'roll. Je sais même pas si j'arriverai jusqu'au bout. Hein. En toute franchise. Donc ne vous moquez pas, s'il vous plaît, les amis, soyez indulgents. Bros Event. Rock'n'roll. Rock'n'roll is here to stay. J'aimerais bien la gagner parce que vous voyez, on peut gagner Gold Medal Reward, on peut gagner des petits bâtons de ski qui me seraient très saillants, je trouve. Play Event. Ah, ça recommence, j'ai un problème de direction. Bon. Attendez, je vais recommencer. J'avais un petit problème avec le joystick, je sais pas si c'est mon joystick qui devient usé ou si c'est le jeu qui bug. Je penserais plus pour le jeu. Alors, regardez là, ça commence super fort. Ça commence là, boum. Là, il faut que je me remette en position pour pas sauter. Et là, regardez le couloir de la mort là. Ouah, ouah, boum, tchou! Allez, je vous rassure, vous n'allez voir que ça. Hein. Je vais quand même essayer de passer le couloir, mais. Fou! Je vais même pas faire un départ canon, bien sûr. Oui, là, je suis en touchous. Là, je me remets debout pour pouvoir ne pas rebondir trop ici. Essayer de passer ça. Là, hop, hop, hop. Oh là 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 là. Alors Mikos, je l'ai regardé jouer tout à l'heure, il nous passe ça les doigts dans le nez, je sais pas comment il fait. Chapeau bas mon pote. Go to shoes. Ouais, là j'ai quand même sauté. N'importe quoi. Après, comme il a la médaille d'or, je sais pas s'il en a des deux ou d'autres. Vrai que je lui demande, je ne pense pas. Après, il faut savoir qu'il y a des events qui sont achetables aussi avec l'argent du jeu. On peut débloquer des events. Pour l'instant, pas de descente. Time trial, mais. Alors, donc, je vous rappelle, là, on est en time trial. Oh là là. Et après, je vais vous montrer un petit peu les descentes. Bon, je vais essayer au moins de passer le couloir. Si j'y vais très mollo. Oh là 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 la cata. Allez, c'est parti. Donc on vous attend tous sur le jeu, hein. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je répète, il est gratuit sur Steam. Vous n'avez aucune excuse. À part si votre carte graphique est faiblarde. Ah! Putain, j'arrivais mieux avant. Ce putain d'effet, je fais une vidéo, je joue comme une merde. Et vraiment, vrai. Je confirme, hein. Oh là 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 là. Oh bah écoutez, on va le passer de manière pas orthodoxe, mais on va le passer quand même. Et j'y vais mollo pour vous montrer. Regardez, imagine ça, il faut le passer tout chousse, quoi. Si tu veux avoir la médaille d'or, il faut faire ça tout chousse, hein. Sinon, c'est mort. Hop là, voilà, boum boum boum. Restart event, restart tous les checkpoints. C'est vrai que je peux faire ça. Donc on va continuer, hein, pour vous montrer juste la piste, comme c'est chaud. Normalement, on est tout chousse là, on est à 150 km là-dedans. Là, vous arrivez à un gros virage, là, ça paraît facile parce que je suis tout doux. Mais regarde ça. Il y a une raille carrément. On arrive sur une vraie route. Donc là, il faut faire une technique pour tourner à 40 à 90 degrés, quoi. Nikos, je sais pas trop comment il a fait, mais. Et après, on continue tout chousse là. Là, je vais tout doucement, hein, franchement. J'ai perdu plein de vitesse.
Je fais bouger la caméra, regardez, je me mets en dessous du skieur. Hop, magnifique. Hop. Ce qui est écrit sous mes skis. Et là, je crois que je suis sorti de la route, non? J'ai pas fait gaffe en fait. Regardez, carrément, on peut se mettre sous le mec. J'ai pas trop fait gaffe où j'allais. Vous voyez qu'on peut faire du ski sur le petit lac, la petite rivière gelée. Excellent, ça va super vite en plus ici. Regardez ce qu'on peut faire aussi, on peut faire des demi-tours. Waouh! On peut faire la toupie. Là-dessus, ça marche bien. Bon, par contre, je me suis un peu perdu. Visage slash checkpoint. Je continue de vous montrer la fin de cette course. Donc, ouais, après, voilà. Il faut passer là, il y a encore une petite difficulté parce que, hein, je vous rappelle qu'on est tout shoots. Petit truc qu'ils auraient pu rajouter, j'espère qu'ils feront par la suite, c'est un compteur kilométrique. Moi, ça me manque. Et voilà, là on arrive. Sauf que moi j'ai pas envie d'être terminé. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on peut faire comme autre épreuve? Je vais vous montrer ça. Toujours dans Play. Vous allez dans Event. Et là dans Descent. Donc c'est la même chose. On va se faire la plus facile. C'est la même chose mais sans checkpoint en fait. Que je vous disais, vous pouvez couper à travers montagne, étant donné qu'il y a plusieurs chemins, il y a des raccourcis, etc. C'est un espace très vaste et très, très tortueux, avec plusieurs chemins. Donc à vous de trouver le meilleur. La ligne droite parfaite, si c'est possible. Donc après, une fois qu'on a exploré un peu, on connaît mieux. Donc vous voyez, il faut que je me dirige vers cette petite flèche bleue. Donc là, en l'occurrence, ils sont sympas. Ils m'indiquent que c'est sur une piste. C'est le premier, c'est facile. Hop, au virage aussi là. Oula, oula, oula. Donc là, pour l'instant, je suis la piste. C'est tranquille. Mais vous verrez que la prochaine, là, ça sera vraiment plus du freeride. Là, vous voyez, on est encore sur du terrain damé. On est dans un terrain... dans un domaine skiable professionnel... et entretenu par l'humain. Et après quand on va sortir de la piste, vous verrez, ça sera... Alors sachant que là je peux couper aussi hein. Je suis pas non plus obligé de suivre tout le temps le truc, mais sur celle-là je crois que c'est ce qu'il faut faire. Hop. Petit passage sous le pont. Hop. Et l'arrivée tout simplement ici. Donc celui-là, pas très compliqué. Mais je suis sûr que... Excusez-moi. Je suis sûr qu'il y a quand même moyen de trouver des raccourcis. Vous voyez, médaille d'or, une 15. Là, je l'ai fait les doigts dans le nez sans me concentrer. J'ai fait une 13. Les médailles d'or des faciles sont assez faciles, évidemment. Et plus ça avance dans le jeu, plus c'est difficile. Normal, comme tous les jeux vidéo, vous me direz. Je vous l'accorde. On continue. Je vais vous montrer la deuxième descente. Et après, on va passer dans tout ce qui est figure. Ça va être très rapide car vous allez voir que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Let's go. Ah, ça remerde. Voilà, c'est bon. Bah, tant pis pour le temps. Donc celle-là, assez dure aussi. Si je me rappelle bien. Petit passage... hop. Surtout que, ouais, voilà. Là, par contre, je ne connais pas du tout le terrain. Enfin, ça me dit rien. Et je ne sais pas du tout par où je peux me permettre de couper. Donc, il y a un côté exploration aussi dans le jeu. Alors, effectivement, il vaut mieux connaître le terrain. Et l'avoir pratiqué plusieurs fois avant de se lancer dans des records. Alors, regardez, on va essayer de se faire un saut de ouf, là. Hop là. Je vais faire une figure, tiens, je vous montre. Je peux même tourner sur moi-même. Et là, je vais me vautrer. Et voilà, je me suis vautré. Et là, je ne peux pas reset tout le checkpoint. Je suis obligé de tout recommencer. Étant donné que c'est une descente. Pas un time trial. Donc, je pense que vous avez compris le principe maintenant. Je vous fais cette vidéo aussi parce qu'on m'a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup en français. Pourtant, moi, j'en ai trouvé quelques-unes. Hop, petite figure. Hop là. Oh, quelle maîtrise.
Vous avez vu ça un peu? Je vais commencer à essayer de vous montrer les figures. Restart event, allez, une dernière fois. Bon, je vais pas faire de figure, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Je vous montrerai les figures après sur le Big Air, vous verrez, c'est sympa. Alors vous voyez là, je viens de croiser une motoneige. Eh bien, il paraît que c'est officiel depuis aujourd'hui. Il y aura des motoneiges. Si je suis pas tombé sur un fake. Hein. Il y aura des motoneiges bientôt. Le snow, c'était prévu. Il va y avoir des snows. Mais du motoneige. Alors là, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Ah oui, faut que j'aille. Du snow, c'était prévu, mais du motoneige, c'était vraiment pas sûr. Et apparemment, ça a été confirmé. C'est peut-être une connerie, hein. À vérifier. Si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait cool. Vous voyez, là, je me suis carrément perdu. J'ai pas du tout pris le plus rapide, là, c'est sûr. On va essayer de continuer. Donc, plus la pente est pentue, plus vous allez vite. Ça me paraît logique. Je sais même pas pourquoi je vous le dis, mais... Vous pouvez essayer de toujours rester, quand vous voulez prendre la vitesse, les endroits les plus pentus. Hop là. Waouh. Waouh. Ah. Ouf. J'étais un peu perdu là. Alors sachant que pour les chanceux qui veulent acheter un Oculus Rift, le jeu est complètement compatible. À mon avis, ça doit faire mal à la tête parce que regardez, rien que de se mettre comme ça, ça fait bizarre, surtout si je fais une figure. Regardez, hop, oula. Oh, j'ai réussi à retomber sur mes pieds, dis donc. C'est sympa par contre quand même pour faire des petites descentes et tout. Le mode FPS, mais c'est chaud. Regardez. On va essayer d'aller plus loin possible en mode FPS. Et donc ce mode est compatible avec l'Oculus Rift. Ça doit quand même être une sacrée petite expérience. Je pense. Voilà, vous me voyez pas mais je tourne la tête et tout. Bon bref. Ça c'était pour les descentes pures et dures. Nous allons retourner dans le menu et je vais vous terminer par vous montrer vite fait le Big Air. Et les trucs un peu similaires, tous les trucs où il y a des tricks. Ah, puis ouais, je vais vous montrer le multiplayer aussi vite fait quand même. Bah écoutez, la vidéo durera le temps qu'elle durera. Big Air. Boum. On va se prendre celui-là. C'est parti, mon kiki. Sachant que les Big Air, j'ai réussi à avoir toutes les médailles d'or, mais ce sont que des Big Air faciles qu'il y a pour l'instant. C'est pas très compliqué. Donc tout sert, tous les boutons servent, le stick analogique droit et le stick analogique gauche sert, c'est un petit peu chaud quand même au début, j'avoue. Alors vous voyez, là je prépare mon saut, là je prépare sur la droite, hop, je vais essayer de faire une espèce de vrille. Hop, ah, y est, pas mal, j'ai fait combien de points? Ça va me les valider là. Round 1, 0. Pourquoi j'ai fait 0 points? Ça va être un bug du jeu, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai eu 0 points. Normalement, je suis un saut là. Ça, c'est un Big Air à unique saut, donc c'est cool. Hop. Oh merde. Par contre, j'ai l'impression que mon jeu lag. Enfin, j'ai pas un gros FPS là, franchement. Alors c'est le problème, moi j'ai une super carte graphique, une GTX 970 et des fois quand je vais sur le jeu, bah il lag comme si j'avais pas de carte graphique carrément. Bon 59 fois, super. Mais bon je vous dis, il y a des mises à jour journalières et tous les petits programmes comme ça vont être réglés au fur et à mesure. Allez on va essayer de faire... Ah c'est bon, j'ai récupéré mes FPS là. Je sais pas ce qu'il y avait. On va essayer de faire un bon saut. Sur le côté, hop, en vriller. Oh là là. Oh, arrive en marche arrière, c'est magnifique. Oh merde, il fallait que j'aille jusqu'au checkpoint. Enfin, jusqu'à l'arrivée, je suis pas rentré dans l'arrivée. Attendez, on va essayer de faire un truc sympa. Je vais appuyer un petit peu partout. Je vais essayer de prendre mes skis croisés en arrière, vous allez voir, c'est joli ça. Si j'y arrive. Hein. Non, j'ai pas du tout fait ce que je voulais. Voilà, c'est là qu'il faut aller, sinon le truc n'est pas validé.
Next round, vous voyez, c'est en plusieurs rounds. Et on a 3 sauts pour faire le maximum de points possible, quoi. Alors, sachant que là, je me merde littéralement. Mais il y en a qui arrivent à faire des points à 3000, 4000. Voire plus. Vous voyez, là, j'ai fait un petit saut à 140. Peut mieux faire, peut mieux faire. Et dernier round. On va essayer de faire un salto quand même pour vous montrer. En tenant les deux skis en arrière. Voilà, ça j'aime bien. Combien de points ça? 89 seulement. Oh là là, c'est pas cher payé, dites donc. Enfin voilà, hein, je me lance pas dans des figures de ouf parce que je sais pas faire, mais on peut vraiment attraper les skis par où on veut, c'est passé au-dessus de la tête, entre les jambes, etc. Enfin, il y a de quoi se faire plaisir. C'est assez poussé, étant donné que le stick analogique droit sert et le gauche, vous voyez, dès que vous êtes en diagonale, toutes les diagonales servent au bas, gauche, droit, du stick analogique droit et gauche, donc ça fait beaucoup de possibilités. Plus le fait de pouvoir tenir sa planche, et de pouvoir en plus tourner sur soi-même, enfin, c'est assez chaud. Je vous dis, je ne suis pas avare de conseils si vous en avez. Je suis preneur. Et bon, après, vous avez des trucs genre Big Air, sauf que c'est sur plusieurs tremplins à la suite. Et genre, je vais vous en montrer un, attendez. Et après, nous nous quitterons là-dessus. Ah non, je vais vous montrer le multi quand même. Exit, quit to main menu. Après, vous avez ce genre de map aussi. Les slop style. Je vais vous mettre celui de... Attendez, il y avait un truc qui était sympa. Je sais plus. Voilà qu'il y avait ce truc. Je voulais vous montrer. Ils ont reconstitué le dernier snowpark des derniers Jeux Olympiques en Russie. Style. Non, c'est pas là. Je l'ai vu. Bref, c'est pas grave, ça doit être en free roam. Je vous montrerai ça une prochaine fois. Donc là, on va se faire un slop style. Par exemple, vous voyez celui-là. Ouais, je vais réessayer devant vous. Il faut faire 400 points. Moi, j'ai fait 380, donc j'ai la médaille d'or, tranquille. La médaille d'argent. Bah alors, pour avoir la médaille d'or, j'en chie, mes amis. Bah, vous allez voir. Donc voilà, un jeu qu'on peut prendre d'un côté trick comme d'un côté course. Et le mieux c'est de prendre encore des deux côtés. Vous voyez, là je fais un petit 96, c'est pas trop mal. Je vais en sauter. Oh, j'ai fait 188 points, c'est pas mal. Sachant que j'ai encore 3 sauts, il faut que je fasse 400. Ouais, écoutez, pour une fois, peut-être que la vidéo ça va marcher. 234, j'ai encore ce petit saut. Ouais, voilà, sauf que là je vais rien faire. Ok, donc il me reste plus que ce saut là. Pour faire 170 points, ça va pas le faire. Eh merde! On va quand même terminer, vous voyez, j'ai fait 250 points. Pas top, pas top. On va se réessayer ça une petite fois quand même. J'ai l'impression que la vidéo, là, pour une fois, m'aide. J'étais meilleur que tout seul, pratiquement. Continue. Restart event. Allez. Comment un beau truc, mon Bertie. Oh, c'était pas beau, ça. C'était pas beau, ça. C'était pas beau, c'était pas beau. 56 points. En plus, je sais plus où je suis. Ah, on va essayer de continuer, vraiment, pour la forme. Vous voyez, on est dans une station de ski là, c'est sympa. Wow, 94 points. Enfin, additionné à ma merde de premier saut, j'ai dû faire 2 fois 40 en gros quoi. Allez, on va tenter un truc de fou. Ouais, oh putain, c'est passé. 145. Et là, on va essayer de faire un beau saut aussi. Oh là là. Enfin bref, vous voyez le genre. Un beau petit vautrage en direct. Et qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je vais vous montrer le multijoueur si ça marche vite fait. Play. Hop. Je
peux vous montrer ça aussi. Freerom, je vais vous montrer les Jeux Olympiques de Sochi. Oh, ils ont appelé ça Fochi, mais c'était à Sochi, si vous vous rappelez bien. Ils ont appelé ça Fochi. C'est vraiment... J'étais voir des vidéos. Et effectivement, c'est le skatepark qu'ils ont reconstitué. Hop, slopestyle. Donc, pour ceux qui se rappellent des derniers Jeux... Putain, pourquoi ça me merde à chaque fois? Les derniers Jeux Olympiques. Vous voyez, j'ai un petit bug à chaque fois au début de chaque course. On va essayer de régler ça. Hop là. Pour ceux qui se rappellent des Jeux Olympiques de Sochi en 2014, eh bien... C'était ce skatepark là. Enfin, ce snowpark. Merde. Je sais pas si moi j'appelle ça un snowpark. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Regardez, on va essayer de faire un petit grind là. J'ai glissé un peu. Ah, ça fait plus 20 points. On peut faire un bon petit saut, mais... J'avais pas beaucoup d'élan. Ski croisé, s'il vous plaît. Oh, c'était pas mal ça. 155. On va refaire un petit salto arrière là. Hop là. Oh, double salto. Oh non, c'est pas passé. Donc vous voyez, il y a moyen. Ah oui, ça on peut faire ça aussi. On peut faire des replays. Vous voyez, en avant, en arrière. On peut voir un peu où on s'est planté si on veut. Hop. Par la suite, je pense qu'on pourra exporter ça sur YouTube. Bref, ouais, ça c'est sympa aussi, je vous en avais pas encore parlé. Il y a tout le côté replay. Quand vous allez dans hors option, dans replay. Je me suis pas encore trop intéressé, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Et je vais enfin aller vous montrer le multi. Attendez, remarquez, on n'a pas fini le parc de Sochi. Bah, vous voyez, c'est l'arrivée. Donc, boum, je vais vous montrer le multi. Sachant qu'on va peut-être attendre un petit peu, je vais meubler. Comme je sais si bien faire. Car il y a des petits problèmes pour se connecter. Play. Hein. Multiplayer. Ah, déjà, j'ai un peu plus de chance que d'habitude. Le tableau s'est affiché relativement rapidement. D'habitude, j'attends 10 minutes pour avoir ça. Et là, normalement, oh, magie, la liste des serveurs est censée s'afficher. Et on peut créer son propre serveur. Pour ceux que ça intéresse, il y a un guide sur Steam. C'est pas compliqué, il suffit de taper dans l'invité de commande en appuyant sur le petit puissance 2 au-dessus de tab. Il suffit de taper map, un espace, le nom de la map, et S comme start. Vous voyez là, looking for server. Là, mon jeu ne répond même plus. Ouais, c'est un peu chiant, quoi. Des fois, ça marche direct. Des fois, ça marche au bout de 5 minutes. Et là, vous voyez, nous n'avons point de chance. Ça ne fonctionne pas. Enfin, ça va marcher au bout d'un moment, mais... Profitez-en pour écouter cette petite musique relaxante. Fermez les yeux, faites le vide en vous. Tout est calme autour de vous, tout est blanc, vous êtes à la montagne. Concentrez-vous sur les sommets enneigés. Oh oui, concentrez-vous sur l'air glacé qui frôle votre peau. Ouais, c'est une petite musique de relaxation sympa. Bon, écoutez, je crois que je vous montrerai pas le multijoueur pour aujourd'hui. Fait chier. Ah oui, si, oh, on a de la chance. Donc vous voyez, faut être patient, faut attendre. Donc là, vous voyez que tous les serveurs sont pleins, sauf là, ils sont 10. En Europe, Alicia. Tous les serveurs ont des noms ou des prénoms de nana en général. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait Maximiliam là. Donc oui, il y avait Sheila, Maximiliam. Les serveurs ont des prénoms. Bah, ça doit être les prénoms de ceux qui les créent. Remarque, je suis con. Maintenant que je sais qu'on peut créer des serveurs, que j'en ai même créé déjà un moi-même. Donc voilà, maintenant je choisis sur qui je veux respawn. On va respawn sur Kilo. Hop. Et voilà, on est en jeu. Avec des amis. Enfin, c'est pas encore des amis, mais ça peut le devenir. Et on pourra jouer ensemble, les amis, justement, nous. Nous, amis de SG Redirection ou de la bug. Donc ça y est, on va pointe. Boum. On va aller sur...
Lui, il est à la lumière, je préfère. Hop là. Et là, on va faire mumuse avec lui. Ça, j'arrive pas, franchement, ces trucs-là. Ah, quand même, oui. Oui! J'ai réussi à faire un grind. Ah ouais, on peut faire des putains de sauts de ouf ici, je sais plus comment ça s'appelle. On peut faire des putains de sauts de ouf. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est moi qui appuie sur les mauvais ch'tous, autant pour moi. Oh, triple salto! On va essayer d'en faire un quadruple. 1, 2, 3! Ah! Donc vous voyez, petite pierre tombale quand on meurt. C'est sympathique. Et quand on crève, voilà, on fait ça, c'est like drop point. Et là, vous pouvez choisir de dropper soit sur une piste, soit sur un joueur. Un petit peu où vous voulez. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc moi, je vais dropper sur des players. Vous choisissez votre joueur. Et hop. Et vous crevez car vous dropez juste en plein devant une grosse falaise. Bon, allez sur lui, allez hop. Oh, il va faire une petite figure en arrière lui carrément. Bon, on va essayer de faire une petite figure en arrière. Hop là. Hop là. Ah, ah, c'est pas évident. Allez, une dernière petite figure pour se quitter. Préparez bien à l'avance. Je sais pas si plus on les prépare, je sais, mais. Ouh, oh oui, oh oui. Allez, une petite dernière en arrière, car on sait que l'on peut le faire. Oh yeah. Oh yeah, baby. Fantastique. Allez, une petite dernière. Oh là, oh là, non, non, non. J'ai perdu tout mon élan, j'ai perdu tout mon élan. Ah. Et on part. Alors on va regarder, on peut faire demi-tour comme ça, en pleine course, en arrière. En avant, sans perdre trop de vitesse, ma foi. En arrière. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Je vous conseille tous ce petit snow, les amis. N'hésitez pas, il est gratuit. Faites-vous plaisir et rejoignez-nous. Je vous mettrai mes identifiants Steam dans la description. Et vous voyez, là, ça lag. Allez, ciao, les amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!